Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un début de vidéo plutôt catastrophique. Un match qui a été proposé par Gaël Laliux. Donc n'hésitez pas, si comme Gaël, vous avez envie de proposer des matchs pour que ce soit fait en vidéo. Et là, on a un Roman Reigns qui a envie de quitter la cage. Je sais pas, un coup et aucun respect pour moi. Donc n'hésitez pas, c'est la série Les Catcheurs. Non pas des abonnés, mais les combats des abonnés. Je confonds tout. Il m'a proposé Kylian Mbappé face à Roman Reigns. Moi, j'aime bien ces combats un peu insolites entre, pourquoi pas, des sportifs et des superstars du divertissement sportif. On apprécie. Du coup, on a Kylian face à Roman Reigns en steel cage. Attention. Ouais, bon. Après, faut pas oublier que Kylian Mbappé, bien, c'est un footballeur. C'est pas un catcheur. Il ne connaît pas tout. C'est pour ça qu'il va un petit peu galérer. Et pour ceux qui se poseraient la question, comment on fait pour télécharger Kylian Mbappé ou plein d'autres superstars qui n'existent pas, des personnages fictifs, des sportifs ou autres, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Comment télécharger des personnages complètement fous ». Donc n'hésitez pas, c'est un petit tuto qui prend 30 secondes parce que c'est très très facile à faire finalement. Non, mais, par contre, et là on est en mode Steel Cage à WWE Backlash, enfin WrestleMania Backlash. Ah mais c'est bon, j'arrive pas à le faire sortir. Attends. Kylian. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors là, je lui dis tout de suite, regarde-moi ça. Non mais, Kylian. N'hésitez pas, non mais, c'est une blague. Si vous voulez laisser un petit like à cette vidéo, n'hésitez pas, voilà, ça soutient la chaîne. Hein. Il paraît, d'après la légende urbaine, plus il y a de likes, plus la vidéo est potentiellement envoyée à pas mal de personnes. Par contre, Kylian, je t'en supplie, ne laisse pas... Après ça qu'on affronte Roman Reigns, le titan, et en plus c'est pour le titre de la WWE, non, le titre universel qui m'a été demandé par Gaël. Ah mais oh. Pas possible. Bon bah debout. Allez Kylian, je pense qu'il réussira pas, hein. On fait ce qu'on peut. Après, Roman Reigns en légendaire, pour ceux qui le savent pas, c'est pas facile du tout à gérer. Bon, en plus je tape, hein. Je suis en train de spammer tout ce que je peux. Voilà, c'est bon. Vous voyez à quel point on galère rien que pour le faire sortir, enfin, pour faire rentrer dans la cage finalement. Voilà. Par contre, Kylian, on descend. Nous, on n'est pas là pour sortir de la cage aussi rapidement. On veut se battre. Il veut plus rien faire. Ok. J'ai appuyé sur les touches pour le relever et tout, ça voulait pas. Je crois que Kylian Mbappé est possédé. Hein. Je sais pas, il est possédé par quoi. Ou le jeu. Après, il y a une mise à jour aujourd'hui. Au moment où je fais cette vidéo, on est... On est quel jour? Attendez. On est le 27. On est le 27 juin. Et il y a une mise à jour. Oh là, le kick qui passe pas. Et peut-être que ça a cassé des choses, la mise à jour. Vous savez, souvent, la malédiction des mises à jour, c'est-à-dire... Ah, ça corrige des choses, mais ça crée plus de problèmes qu'autre chose. C'est très très souvent ça. Tu règles des soucis, mais t'en causes un petit peu plus. Ouais, bon. Voilà, Kylian. C'est bien ça. C'est ce que le public veut. Te laisse pas faire, écrase-lui le biceps. C'est ça. Je sais plus c'est quel... Par contre, il a toujours le même coup, Kylian. Hein. La personne qui l'a créé, il l'a bien fait. C'est cool, il n'y a pas de problème. Il lui a fait deux coups. Oh, le Superman Punch! Le Superman Punch de Roman Reigns! Malheureusement, simplement un. Et oui. On se laisse pas faire. Non, reviens. Encore une fois, l'intelligence artificielle du jeu, elle est très relou dans ce mode de jeu. C'est vrai que j'aime pas trop faire, moi, les Steel Cage. C'est-à-dire que dès qu'il a l'occasion, bah, il va vouloir à tout prix partir de la cage. Oh, oh non, non, la soumission! La soumission de Roman Reigns face à Kylian Mbappé. Je vais m'endormir, au secours. En plus, ça fait mal le doigt. C'est bon. On a survécu, regardez-moi ça. Bien joué, ça, Kylian. Attention. Oui, mais... Non. Il peut pas gagner sur un tombé comme ça. C'est pas possible. Tiens, voilà, à un moment, il fallait que ça passe. Biscotto. Bien joué, ça. C'est ça qu'on veut.
C'est ce que le public réclame. Voilà. Tu vois quand tu veux, Kylian. Quand tu veux, c'est possible. Le finisher, alors. Okay. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont mis comme finisher? Eh bien, on ne saura pas. Allez, il a voulu nous en faire un. On l'a pas laissé. Voilà. Le combat commence enfin. Un vrai petit combat, là, il va vouloir s'échapper. Ou pas. Le tomber parfois, là qui nous a fait plutôt mal. Non, non, c'est bon. Tranquillou, tranquillou. Je vous le dis, ça passe, ça passe. Ouais. Non, non, non. Bien. Vilain, va. Arrête de bouger. D'accord. Alors là, on n'a aucun coup qu'on puisse placer bien comme il faut. Donc on va faire une prise. Il n'y a que ça, lui, hein. Tu sais quoi? On va charger le finisher. Regarde. Sans les mains. Sans les mains. Vous êtes prêts? Elle a une, elle a deux. Ça passe. Ça passe, voilà. Regardez-moi ça. Attention. Le tombé face à Roman Reigns. Il est paralysé. Est-ce que ça va passer? Simplement. Mais ça va, toi. Là, on s'est rattrapé. C'est bien. Par contre, est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît? Pour la deuxième corde. Voilà. C'est ça qu'on veut. Un Kylian conquérant. Ouais. C'est... J'ai esquivé un Superman Punch, donc c'est pas plus mal. On peut l'esquiver une fois. Par contre, une deuxième fois, ça reste un peu plus compliqué. Après, il a son finisher. Mais le connaissant Roman, il est orgueilleux, il va vouloir me terminer. Ou pas. Bien. Tu veux jouer à ça, vas-y. Et tu sais quoi? À celui qui sort le premier. Ouais. Moi, là-bas, je voulais sortir, mais... Vas-y, Kylian, tu peux le faire. Avec des crampons, c'est plus compliqué de sortir de la cage. Je t'avoue, pour moi, ça adhère bien. Vas-y. Après, est-ce qu'il peut potentiellement sauter de la cage? Non. Ok. Déjà, il saute pas par-dessus la troisième corde. Alors, non, vite, vite. Et voilà, regarde-moi, droit dans les yeux. Je suis en train de descendre. Et là, il est en train de se dire, toi... Une strat qui aurait pu être bien dans les prochains jeux, c'est que là, il va tout de suite vers la porte pour essayer de sortir. Malheureusement, c'est pas bon. C'est bon pour nous. Kylian est tombé. Attention, hein, attention quand même à tes hanches, tout ça. Ça peut faire mal. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Gaël d'avoir proposé ce match. Kylian, en plus, finit avec le titre. Et ça, c'est beau. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.